Bienvenue dans Haïti 58. Invitez-nous à Soya. C'est Natacha Dassiné, lycée secrétaire générale adjointe aux affaires internationales, organisation politique RDNP. Avec Natacha Dassiné, nous pourrons rentrer dans l'actualité politique là. Bien entendu, nous pourrons regarder le travail du tout dans RDNP. Natacha Dassiné, bonsoir. Bonsoir Robinson, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices à Kakouit. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Je vous envoie une salutation bien spéciale pour tout le monde qui est victime ces derniers temps dans la mobilisation. Je vous envoie une salutation particulière pour les étudiants grévistes. Je connais un pile là-dedans transporté d'urgence. À l'hôpital, je salue et je salue tous les militants, militantes RDNP qui ont coûté nous à travers le pays et dans le monde entier. Justement, dans RDNP et Natacha, qui travaille? En fait, moi, c'est secrétaire générale adjointe aux affaires internationales depuis août 2018. Okay. C'était élection en partie. Donc, en tant que telle, moi, responsable de toute relation internationale partie, assurer que rencontres diplomatiques sont faites et puis suivre tendance politique à l'international. Et quand le secrétaire général vient pour rencontrer des entités ou bien des personnalités internationales, je suis capable d'accompagner lui, des fois si lui-même lui demande, et puis je suis capable de préparer tout un petit profil pour le monde ou bien institution que lui peut rencontrer. En gros, c'est ça, mais ce n'est pas exhaustif. Oui. Nous faisons partie, nous sommes partis politiques, nous faisons politique. Ça veut dire qu'on fait politique. Ça veut dire qu'on fait politique. Tout à fait. Justement, en tant qu'une jeune dame qui a fait politique, est-ce qu'on a ambition, député, magistrat, sénateur? Est-ce que j'ai ambition, député, sénateur, magistrat? Pour aller dans l'élection, bien entendu. Je ne vais pas répondre comme ça, justement. En tant que monde qui a fait politique, objectif toute partie politique, c'est la prise du pouvoir. Et objectif tout le monde qui a fait politique, tout, c'est arriver dans une position pour diriger la chose politique de son pays. Mm-hmm. Donc, en tant que telle, comme femme politique, ce sont des ambitions que moi j'ai gagnées, même Babraldou, dans quel niveau pour le moment, si c'est magistrat, député, sénateur, parce non, que... Non, pas pour mon généralité. Généralité, bon, là, c'est que parti a lui-même besoin pour un pouvoir, c'est finalité de toute partie politique, mm-hmm. mais ou même en particulier en tant que militante politique. En tant que militante, leader politique, moi-même, moi appelé, je connais m'appelé à diriger le pays, donc c'est une ambition que j'ai gagnée et je travaille pour ça. Très bien, très bien. comment nous vous leadership là avec Éric Jean-Baptiste André Batia? Bon, on connaît que c'est un changement de leadership. Tout changement, un petit temps que l'on prend, une petite période de rodage. Mais pour le moment, nous sommes capables de dire RDNP Lila avec une nouvelle équipe dirigeante. C'est le CEN, le Comité National Exécutif. Et bon, ça va bien, ça va bien, avec des hauts et des bas, comme c'est le cas de toute institution, côté qui gagne de monde qui réunit avec des divergences d'idées, mais nous mettons-nous d'accord sur un point commun, qui c'est le RDNP, qui est notre patrimoine à sauvegarder. En nous entrant dans l'actualité politique, là, merci pour l'explication, Dassiné. Actualité politique, là, c'est nous partons là pour sept semaines depuis le pays est pratiquement bloqué. Et maintenant, on a parlé avec la présidente de l'association touristique, là, qui t'a expliqué, et Mme Forbé, qui t'a expliqué que Obama, c'est entre 50 à 60% d'emplois qui perdu dans le secteur touristique. Là. Et vous connaissez le secteur touristique, là, les ont bonne chaîne d'activité là-dedans, hôtels, restaurants, et loisirs, et galeries d'art, entre autres, et maison, location de voitures, entre autres. Est-ce que ça dit nous, est-ce que ça parle nous en RDNP? Mais bien sûr, RDNP n'est pas indifférent du tout avec la situation catastrophique que le pays a fait face avec jeudi. C'est pour ça, dans la dernière prise de position nous, que nous avons mis le 29 septembre dernier, nous avons dit, nous avons fait un bilan. Qui est lamentable que ce pays a vive li la donne là pour le moment. Bon, ou te recevoir et au monde dans secteur touristique là, mais c'est tout secteur yo et gain qui formel que nous ka évaluer ampleur des dégâts yo. Mais là nous prend le secteur informel. Nous connaissons le secteur informel là c'est lui qui génère la plus grande part dans l'économie. Oui. Là nous garde marché Kwabosal en pile dans nous maman ou bien maman l'autre c'est là yo fait éducation nous. Nous par contre depuis qui l'heure Kwabosal fermé. Mm-hmm. Donc, franchement, nous n'avons pays qui loque. Mm-hmm. Et ce n'est pas pendant 6-7 semaines, ça, ou seulement.
pays en l'ordre depuis après 6-7 juillet 2018. Tout à fait. Maintenant, sur les forces en présence, là, il y a plusieurs organisations politiques qui sont en opposition hein, et qui organisent des manifestations. La population hein, régulièrement répond à l'appel puis manifester. Ou est-ce d'autres secteurs qui rentrent dans la bataille là et pour demander Jovenel Moïse pour le faire un petit chou d'accord. Nous avons un RDNP était très réticent par rapport à la décision. Ça. En ce moment de durée, RDNP, l'idée plus à prôner une sorte de dialogue avec Jovenel Moïse là. Et rapidement, en septembre, nous faisons une sorte de virage à 360 degrés pour nous demander Jovenel Moïse et pour y aller. Ça explique le virage ça, et ça explique la lenteur ça, dans ce genre de décision ça, en tant que parti politique qui réclamait de l'opposition. Oui, RDNP est un parti politique de l'opposition, mais RDNP toujours en position modérée, si nous sommes capables de dire comme ça. C'est vrai, pendant un pile temps, nous avons essayé de garder si tu as un dialogue possible. Nous avons essayé de garder si toute couche vive, société, tu as mis ensemble pour nous aller dialoguer avec le président de la République qui, bien sûr, fait faillite dans sa gestion, dans son administration. Mais là, nous arrivons à côté, là, nous sommes de août à septembre, situation dégringolée. Nous voyons tout ça passer avec vote, premier ministre et ministre amélioré. Donc, nous venons de côté, nous disons non. Ça, c'est un pourrissement qui pas de remède encore. Pas de l'on caoutchouc qui en panne ou qu'on patche, mais ça, il pas de patche encore. Donc, RDNP dit non, vraiment, dialogue dans le vin, pas possible. Et là, nous gardons toute dynamique de dialogue que le président mettait, toute commission de dialogue que le président mettait, et lui-même l'écrasé encore. Si nous regardons depuis sous ancien premier ministre Seyan, dans BRH, qui était réuni en bonne entité dans le secteur politique, là, et le président Livini, il sabotait ça. Là, nous regardons l'autre monde comme le magistrat, le maire démissionnaire Gabriel Fortuné, qui t'a mené en commission dialogue. Nous comptons le fini. Donc, nous disons, bon, pas de dialogue possible avec un monde qui ne veut pas dialoguer. Et pour dialoguer, tout ces négociations, il faut qu'on bagaille pour bailler. Le président ne dirige plus rien. Bon, tout ça, on dit sur RDNP, on va confirmer ou bien affirmer. Je dis, RDNP, tu es resté en position au LMDB. Parce que tu as des promesses de Premier ministre qui t'est faite à RDNP, soit à la secrétaire générale là, ou bien avec la présidente d'honneur là, Milan Baniga. Nous t'en avons ça dans la rue? Officiellement, moi, par contre, ça, en d'un parti, hein, mais tant que vous-même, tout le monde qui est bien branché, moi, tu t'es dans la rue. Hein, et moi-même, comme dirigeante dans CENA, dans toute réunion, moi, toujours dit, secrétaire générale là, surtout, parce que c'est le numéro un du parti, faut que nous prenions des positions qui claires. Qui clair, qui précise, côté que tout le monde ne peut pas prêter nous des intentions, mais il a dit voici la position du RDNP. Et pas oublier, en juin dernier, après que le secrétaire général a participé dans une émission qui a suscité tout tollé, ça a justement, moi, j'ai proposé une convention nationale extraordinaire pour nous fixer la position du parti, une bonne fois pour toutes, pour ne pas quitter des sous-entendus. Donc, ça va jamais parler de partir officiellement. Officiellement, des non, ça? Non, t'as supposé qu'on est. Sûr que. Bah, quand il parle à qui on monte, mais en dans partir officiellement, en dans CEN, non, non. Mais ça qui explique, puisque RDNP est réclamé de l'opposition, et nous avons gagné des blocs de partis politiques qui a formé là, gagné un marché contre. Il y a une alternative consensuelle qui c'est des regroupements de partis politiques qui mettent tête ensemble, qui mettent au minimum de structure et de bagages pour groupe contre Jovenel Moïse. Nous pas retrouver RDNP dans aucune structure ça. Bon, en fait, RDNP pas dans aucune structure ça, mais position RDNP est claire. RDNP mandé pour président aller en tant que parti politique. RDNP mené combat bon côté parle. Moi-même qui c'est secrétaire général adjointe international RDNP, me vinn nan micro lan là, soumande m ki position parti an, m'a dit que parti an rive en côté depuis 29 septembre nous mandé faut président aller. Donc chaque secteur, chaque parti gen doit estimer que yo a fait combat Jean Payo et ça qu'arrive tout à la longue nous toutes nous réunis, nous font fond commun, mais pour le moment c'est là nous y est. Oui, mais en même temps tout mademoiselle Edassine et RDNP pas jamais impliqué, pas jamais RDNP impliqué dans mouvement de protestation.
ou pas connaît. Non, dit pas jamais. Non, justement, mais une position officielle tout qui fait on note une déclaration qui fait ce soit par secrétaire général là soit par moi ou pas qui l'autre bombe qui dit oui, nous mandé et fanatique nous mandé bombe nous pour participer dans telle rencontre etc. Moi même personnellement, c'est politique, moi j'aime ça. Moi même personnellement, me toujours faire. OK. Peut-être ou manquer suivre moi me toujours faire et nous gain en pile militants, dirigeants et ADNP qui participer dans mobilisation. Nous gain deux militants à travers le pays. Par exemple dans le nord-est à Wanamet la semaine dernière, un gros coquin chaîne de manifestation qui organisé et son militants nous qui était à la tête de mobilisation ça militants nous yo pas chita du tout yo sou gayé sous béton seulement yo rete parce que tant que tout l'autre monde yo dit yo bouqué avec la vie chère yo bouqué avec la misère yo bouqué avec l'insécurité yo bouqué pour yo vivre dans pays qui pas dirigé. Maintenant mademoiselle Dassiné, 7 mois 7 semaines depuis pays à l'oc et c'est des mouvements de protestation qui commençaient depuis juillet 2018 avec gaz à tabal monté, etc., et au compte de toute histoire, et ça qui devine un élan à mouvement de protestation contre Jovenel Moïse. Et depuis, vous avez l'impression que Jovenel Moïse ne dirait rien, et en même temps, tout, l'opposition n'a pas la capacité pour que vous voyez Jovenel Moïse aller, selon les tupors. C'est plus qu'une impression, le président ne dirige rien vraiment. Et il fait aveu, hein. Ou faire communication même gens avec ou connaît l'homme on parler plus que ça le dit non dit important. Et dans dernière déclaration président bon ça noté carré leur conférence de presse président font aveu d'échec. On aveu que le dépassé par la situation que toute bagaille il perd du contrôle toute bagaille toutefois il était accroché avec pouvoir là, accroché à un mandat de 5 ans. Mais ça que président oublié contenu mandat parce que ou mandat gon objet. Objet mandat est tout aussi important que la durée du mandat. À quoi ça sert d'avoir de boucler son mandat de 5 ans et pour pas réaliser rien? Ben c'est que le président a un honneur en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que président de la République à date, pour lui sauver et pour lui restaurer. Si moi confie un job, ou un job pour faire émission, ça sourit vont côté sans tout pas qu'à faire encore, ou lancer de appel pour inviter au vini ou pas vini. C'est démissionner. Aussi simple que ça. Donc, on parle de opposition qui pas qu'à la guerre présidentielle. Moi-même, je ne vais pas le dire comme ça. Parce que, aussi bien que moi, on connaît, les paramètres ne sont pas aussi simples. Le président lui-même le dit, et militant au deal, militant PHTK surtout, parce que je participe dans d'autres émissions, il y a le président pas dirigé pour les Haïtiens. Peut-être qu'il y a un boss. Même sûr que ce n'est pas le peuple haïtien, c'est la Maison Blanche. Et nous, depuis le président sentit en danger, ils font appel à la Maison Blanche à travers ses ministres, soit pour OEA, vini, entre guillemets, parce que nous songeons qui ça t'a dit sous dernière mission OEA en juillet. Bon, il y a même ça qui était le plus scandalisé, le président m'a demandé aide. Nous pas même nous pas sorti dans une situation d'urgence ou bien de catastrophe. Si nous arrivons là, c'est parce que le président admet que il faillit dans sa mission. M'attendais pendant ma vienne là, beaucoup fin t'attendais bien entendu, on entrevue président Bay RFI. Et puis me songeais on entrevue que le Bay en février. Très orgueilleux, arrogant comme toujours. Président a dit je suis le garant de la bonne marche de toutes les institutions. En effet, suivant l'article 139 de la Constitution, c'est attribution président. Mais là, nous gardons Robinson depuis au moins le mois d'avril. Mais c'est vraiment au moins, parce que Pabli M2 depuis 6-7 juillet 2018, rien n'a pas marché. Mais il est visible. Ou pas besoin d'experts en politique pour voir que toute institution n'a pas fonctionné. Président révoqué, ancien premier ministre, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas un gouvernement. Nous sortons, d'ailleurs, il n'y a pas de quitter liquider les affaires courantes. Nous sortons dans un gouvernement qui allait. Qui pas même liquider les affaires courantes, li met l'autre premier ministre AI qui dépassait délai de 30 jours que constitution a bali, qui vini nommer premier ministre, qui pas jamais ratifié, li vini à un l'autre premier ministre amélioré qui pas ratifié par le Sénat, qui passait par dans la Chambre des députés et puis maintenant qui s'annouyer.
Donc, il y a le pouvoir législatif. En fait, l'autre dit premier ministre amélioré, il y a son façon ironique pour parler de Frétilia Michel qui est venu avec les questions cabrites, améliorées, race pure, etc. Exactement. Et mais ce n'est pas le ministre lui-même qui a amélioré. Et nous tellement de premier ministre, AI, premier ministre par intérim, premier ministre démissionnaire. Donc, si qualificatif ça, nous toujours cherchons une qui marchait peut-être à premier ministre, comme il était venu avec des cabrites qui étaient sur Texas. Bon, c'est grave, hein. Il y a deux bagailles, nous parler de yo, yo révoltant, hein. Maintenant, fort de tout constat, ça, Natacha, ou dresser un bilan là qui montrait que, sous table du président, on note là, je suppose qu'il tape en bas sec, son échelle de 10. Ça qui explique, malgré tout ça, opposition, hein, il n'est pas arrivé. Bon, c'est vrai qu'on a évoqué international là, mais lorsque force béton, hein, les prouver capacité, l'international n'a pas résister. Ça qui explique l'opposition pour qu'on arrive et j'ai une bonne formule là pour que il mette Jovenel Moïse totalement dos au mur et pousser la démission. Les dernières mobilisations populaires, Robinson, nous capables, par exemple, de vendredi de cela, dimanche, les deux derniers dimanches, la mobilisation des artistes. Et partout à travers les villes, nous sommes capables de dire que c'est des mobilisations côté que le peuple lui-même lui fait verdict, lui prononce verdict. Li. Et verdict peuple lui sans appel, à mon avis, et président doit comprendre que lui supposé remettre client. Mais il arrive que le président a persisté. C'est vrai, la mobilisation est faite. Et il a supposé, parce que moi-même, moi, pas trop, moi, on tige en jeune, si je suis capable de dire comme ça. Mais moi, je suis histoire, je suis histoire politique haïtienne, non? Mais je suis histoire politique et à l'étranger. C'est mal les voisins, nous, là. Après l'élection qui était contestée, il y a seulement une semaine de mobilisation, du 1er au 8 août. Deux présidents, yo, en fait, président élu hein, avec les gens qui étaient venus après l'élection, ils étaient rapidement mis ensemble pour être issus à la crise. Côté que Balaguer a accepté de couper le mandat de moitié. Pour te organiser des élections et anticiper, parce que yo te wè pays d'abord. Et depuis, la République dominicaine est ce qu'elle est. On nous allé quelques mois de cela en Algérie. On nous arrive plus près, au Porto Rico, un premier ministre qui juste fait des déclarations sexistes, population a levé, et premier ministre s'en sent-il pas doué là encore. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple. Si ces peuples qui mandaté, 500 000 personnes, bon voix, 500 000 personnes, bon voix, tant que le président toujours dit, même s'il confond légitimité avec l'égalité. Parce que là, qu'on y a un président qui est élu à 500 000 voix, qui gagne plusieurs millions de personnes qui ont levé derrière elle, et presque chaque jour, ou pas légitime encore. Ou t'as supposé comprendre que décision verdict peuple, c'est que yon mando, yon pas voulons encore comme dirigeant. Maintenant, Robinson, est-ce que qu'on y a nous t'a doué passer dans l'autre phase, passer à la violence, parce que c'est n'a fait mobilisation yo, m'pas vlel moi-même et m'pas penser la profitable pour personne l'autre monde. Mais moi-même moi pour qu'on ca comprendre faut que président joue une formule pour tendre la raison. Peut-être ces formules ça c'est lui-même parce que opposition fait tout ça pour le faire. Société civile l'entourage, nous on réveille depuis l'année dernière avec mobilisation des Petro Challenger que chaque jour moi mettais chapeau devant yo. Donc nous fait tout ça de doit faire. Maintenant c'est le président qui a failli à ses responsabilités, nous pas voulait rentrer dans guerre civile. Bien que dernière et conférence de presse hier montrait que c'est ça le voulait. Il suffit que meure la République, mais lui-même lui protège Mandalan. Je dis, je t'ai souhaité si le président attendait pour comprendre que nous ne devons pas arriver là. Chaque jour, il y a un massacre qui a fait la saline, massacre de feuilles, mon ap mouri, si mon pas à l'école. L'école pour qu'on ouvre, Robinson. Je connais si vous voyez petit pour l'école, mais l'école pour qu'on ouvre. Tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Donc, faut président, quand que père de famille, il vraiment tendait la raison. Nous pas besoin d'arriver dans une guerre civile. Nous pas besoin d'arriver pour nous avoir plus de monde qui mourir toujours. Chaque jour, nous avons tombé dans la manifestation. Mais nous avons continué à la manifestation pire. C'est parce que nous pas voulu président encore. Est-ce que ce n'est pas un cycle infernal et que le président voulait couper court avec elle? Depuis un président sorti dans l'élection, l'opposition n'est pas d'accord ensemble avec lui, prend la rue, et demande pour l'aller, et puis l'y aller, et puis même si ça recommence encore? Le président Préval a fait deux mandats. Il a fait trop de mobilisation.
Parce que l'on a dirigé... Dans le deuxième mandat président Préval, tu as gagné des mobilisations. Et c'est en 2008, tu as gagné émeute de la faim, etc. Mais bien vite, il était jeune des formules. On nous allait sur le père héritier du président Jovenel Moïse. Mais même tantôt, Préval, tu as gagné un ministère qui était... créons, entre guillemets, qui débattent une certaine assurance. Je pense que le président Jovenel Moïse joue une certaine assurance. Tout, et chaque lit joue assurance ça où elle sortit. Même s'il rentre le marron ou cherche le parajeune, coup blanc, parler pour lui, où elle a le fond chaud tout de blanc, Bétionville, ou bien où elle a une conférence de presse, côté que le café pi bien, il n'y a pas de parler. Donc, on a évoqué papa. Papa, oui, le père héritier du président Jovenel Moïse, Michel Martelly. Ah, ok, moi c'était papa. Arrivé à un moment où il était en difficulté pour le diriger. Il était jeune en formule, rapidement. Mais qu'on y a un président qui était toute porte. Au fait, Martelly était fin de mandat là. Il était préparé en sortie. Exactement, en décembre, mm-hmm. peu avant la fin de son mandat, il était joint une formule côté que c'est premier ministre Evans Paul qui était venu à Wescousli. Mm-hmm. Nous songer. Sinon, il n'était capable de finir le mandat là. Un président, pour diriger, il faut prévoir. Bon, bien que je sais, pour prévoir, il faut savoir aussi. Donc, c'est pas le tout bagaille fin pourri net. Et puis, à la dernière minute, le président fait une commission de dialogue. Mm-hmm. Et puis, même lui-même, c'est comme s'il dit, « Mounio, vous voulez dialoguer, oui ?» Et puis, pour diable, Mounio, vous connaissez dialoguer, vous avez négocié, seul sans gagner, il faut mettre sur la table. Comme le président va arrêter encore le pape diriger, c'est juste un mandat de 5 ans qu'il gagne. Moun sa ou, que le nommé dans la commission, hein, pensez que... C'est lui qui va le mettre sous table. Mm-hmm. Et ça fait dans deux entrevues que j'ai entendu l'ancien premier ministre Evans Paul et l'autre Mounio, qui bail dans plusieurs médias. Je te dis, président prêt pour le mettre tout le bagaille sur le tapis. Même si l'impression président Chita l'a regardé ou bien l'a attendu, il dit tête sur la droite. Je ne pas dire, je vais mettre madame sous tapis. Et puis là, il a écrasé la commission que lui a créée dans une semaine là encore. Mm. Mais en même temps, Natacha Dassiné, tu es au courant de laisser comprendre que l'opposition, les leaders de l'opposition, yo gon déficit de crédibilité en même temps tout sous côté division qui gagnait entre eux-mêmes et que yo pas arrivé mettre yo d'accord je non consensus entre eux toute là fédérer tête yo puis capable bail yo alternative commune bon ça, parce ça, que si yo t'ai dit là avant kounya moi gagne en pile action qui posait dans sens ça gain alternative consensuelle gain de proposition qui fait nous ouais gain deux avancées qui fait dans sens ça mais très souvent Robinson faut nous pas quitter le renon. Très souvent, c'est l'international qui retient encore le président Jovenel Moïse au pouvoir, qui dit que et pas d'alternative, opposition manque de crédibilité. Mais c'est même international ça, quand ça l'arrange, qui paraît que Maduro et à Venezuela, Guaido manque de légitimité tout. Donc, nous en présence de deux présidents élus, mais nous voyons que l'appréciation les différents. De la part de la Maison Blanche, par exemple, pour Haïti que pour le Venezuela, en droit international, on apprend que les États n'ont pas d'amis, mm-hmm. mais des intérêts. Mm-hmm. Depuis que le président a fait intérêt en classe, mm-hmm. en pays, donc il a supporté. Mais mm-hmm. nous connaissons que a fait crédibilité ou bien alternative, là, c'est pour faire tout le monde dormir. OK. Maintenant, Natacha, non bloqué en présence là, soit marché contré ou bien alternative consensuelle. Et RDNP n'a pas été invité pour intégrer ces regroupements de partis politiques ou bien nous te font choix et nous disent pas rentrer là-dedans. Ou bien si nous avons choix, on invite à ce qu'on est là de aller. En fait, à ma connaissance, RDNP n'a pas besoin aucune invitation formelle. Mais pas oublier tout, RDNP a des antécédents. Dans l'histoire avec des plateformes conjoncturelles qui ont mis en place. Sans que nous n'ayons aucun problème avec les plateformes, d'ailleurs, nous tous avons mené la même bataille pour le moment. Officiellement, nous ne sommes pas invités et nous ne sommes pas là-dedans. Mais jusqu'à présent, nous connaissons que l'objectif et si nous dit conjoncturel, lui-même, au président, quitter le pouvoir. Là, mm-hmm. Pour le faire, nous n'avons pas besoin de faire avec plus de casques. Mm-hmm. Parce que la Constitution prévoit des vacances présidentielles. Et dans l'article 149, il est dit que soit en cas de démission ou de destitution, ou bien arrêt physique ou mental. Mm-hmm. Donc, quelque part, le mot démission de la présidence mm-hmm. existe. Mais comment nous est l'après, Jovenel Moïse? Est-ce que nous inscrivons dans une proposition qu'il a?
Ou bien nous avons un propre schéma par nous, nous avons après Jovenel Moïse. Bon, nous parlons de lui dans la proposition, dans la position. Parce qu'il n'y a pas que Jovenel Moïse, le NAP dit pas qu'il y a alternative, c'est comme si pas qu'il y a encore dans le pays qui a dirigé. Or, nous connaissons deux mondes, deux personnalités, deux notables que nous sommes capables de faire appel à eux pour constituer une équipe, pour assurer une transition. Qu'on veut ou pas veut, certaines fois, le mot transition fait peur. Nous pouvons comprendre ça. Des fois, nous avons une transition comme un gouvernement qui vient pour régler affaire pas eux. Jusqu'à présent, ça a gagné comme exemple. Tout comme, il doit dire élu ou venir ou régler la fête. Gardez président, gardez législature ça qui passe en là, qui ça qui fait pour Haïti, sinon que des nouveaux riches qui créent. Donc, quand même, que le président allait aujourd'hui, hein, que l'aller demain, que l'aller après demain, nous parler vers une transition. Il n'y a pas à en sortir de là. Parce que dans le mois de novembre, ça, Kabvinna, tu es supposé qu'il y ait une élection qui est organisée. Donc, puisque pas une élection, et l'année prochaine, pas qu'il y ait une élection, Jean-Marie est là, nous parler vers une transition. Donc, il y a une proposition qui est faite. Donc, c'est tirer le meilleur de ces propositions, faire appel vraiment avec des gens qui ont conscience, qui ont besoin de diriger, qui ont besoin de venir chef pour servir leur communauté, pour servir le pays et non pour se servir. Faut que moun yo tout, très souvent, Robinson, nous, moun yo plus fait choix leader yo de manière émotionnelle. Si nous regardons deux, trois derniers présidents, ce n'est pas deux moun qui sortent dans des partis politiques, qui ont une culture politique. La politique est une science, Robinson. Mm-hmm. On improvise, on ne s'improvise pas leader. Le leadership, ça s'apprend et se cultive. Et en politique, il n'y a pas de meilleur endroit pour la pratique de la politique, c'est dans les partis politiques. Et pendant que j'ai la parole, j'ai profité d'inviter toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes garçons impliqués dans la politique. Pendant un peu de temps, nous disons que la politique n'est pas à faire, pas nous. Nous pas faire politique. Il y a des gens qui disent bon, et perdre du temps, nous préférons faire retraite politique, nous, à le focus sur le business. Même sûr que je dis que le business a mal marché. Moi, je suis sûr que nous peur pour ne pas révoquer nous notre job, nous si nous pas fait déjà. La politique est transversale. Il faut du sang neuf, il faut de l'esprit neuf et il faut de la modernité dans la politique. Natacha, on a fini avec la situation RDNP. Et ça fait un bon petit temps. Oui, RDNP parle dans l'élection. Nous a préparé nous là? Oui, nous a préparé nous pour les prochaines élections. Ça veut dire que structure locale, tout ça? Oui, nous avons mis en place parce que, pas oublier, nous sommes rentrés en poste en août 2018. Mais le secrétaire général interne, il est en marché dans tout le pays. Il met en place la direction départementale. Nous avons mis en place la direction communale. Il y a RDNP qui a une présence nationale à travers le pays. Et m'invite tout le monde à chercher côté au bureau RDNP. Il y a dans le département, dans la ville, à l'inscrit dans RDNP. C'est seul parti aujourd'hui, là, on inscrit, quand on inscrit, il y a tout bon 4 membres. Intéressant. Merci beaucoup, Natacha Dassine, pour la disponibilité. Merci, Robinson. Moi remercie et moi profite encore une fois pour me saluer tout le monde qui a regardé et qui a attendu. Moment difficile, mais yo toujours dit le pi fait noir, c'est le sale bras le jour. M'a demandé tout le monde, président, il était accroché avec son mandat. Et dans sa folie, il a entraîné pays dans carreau. C'est le moment plus que jamais pour nous tous, pour nous faire un front commun, pour nous montrer, président, que nous pas voulons encore, nous besoin un pays qui a dirigé. Nous besoin un pays côté que réforme institution a fait. Et nous besoin tout gagner une nouvelle constitution. Nous besoin gagner de institutions qui a travaillé. Nous pas besoin président qui a affaibli les institutions comme il l'a fait pour la Cour des et supérieure des comptes. Merci en pile, pas découragé. Natacha Dassine, secrétaire général adjointe aux affaires étrangères dans l'organisation politique RDNP. Merci parce que tu es ensemble avec nous, restez sur les jeunes à poison. Bonsoir. We'll be right back.